Et ce vélo tour, alors ça s'est bien passé? Je suis arrivée vivante, donc ça s'est bien passé. C'était génial, c'était génial. On a pu parler programme, on a pu déambuler à vélo, on a pu du coup faire du vélo en tandem. On est passé par les différents marchés de Rosny et de Montreuil. On a pu discuter aussi avec les différents habitantes et habitants du territoire. Et puis on avait le soleil. Je trouve que c'était une déambulation plutôt réussie. C'est une première, c'est la première étape. Donc il ne faut pas oublier de venir aux suivantes. Vous allez voir, on a parlé d'énormément de choses d'un point de vue programmatique, que ce soit sur les questions démocratiques, la révocation de vos élus, que ce soit pour les collèges, pour vos collégiens, les cantines gratuites et tournées vers les circuits courts, mais également plein d'autres choses. Je vous invite à venir au prochain tour et je laisse Shaina Chariari vous parler un peu de ses impressions de cette super vélo tour. Ouais. Merci Claudio, merci Valérie. Super vélo tour. Voilà, on a rencontré les habitants, on leur a présenté nos propositions. Un très bon accueil. Beaucoup de gens sont informés de l'élection le 20 et 27 juin prochain, élection régionale et élection départementale, avec donc Clémentine Autain, qui est soutenue par la France Insoumise, et puis sur notre canton, donc le canton qui couvre les villes de Montreuil et Rosny, avec eh bien, les candidats qui étaient présents et qui sont allés à leur rencontre. Donc vraiment très bon accueil. Et puis nos propositions semblent aussi remporter vraiment l'adhésion, que ce soit sur la méthode, on veut vraiment changer de méthode, faire la révocabilité des élus, c'est-à-dire un contrôle des citoyens permanent sur leurs élus, et puis le fait de pouvoir tout simplement les remercier, y compris en milieu de mandat, quand ces élus ne sont pas intègres ou ne font pas le job pour lequel ils ont été élus. Et puis nos propositions de fond qui ont été évoquées. Gratuité des cantines, c'est une question de justice sociale, c'est une mesure aussi pour les jeunes et leur santé. Puisque c'est des repas bons, des repas bio pour les enfants, avec des produits locaux quand c'est possible, en circuit court sinon. Donc c'est vraiment une mesure pour les jeunes, c'est une mesure pour les familles et leur pouvoir d'achat. C'est une mesure aussi pour l'emploi, puisqu'on a près de 20% des agriculteurs franciliens qui ont plus de 60 ans. Donc c'est une mesure pour l'emploi et l'insertion, et puis c'est une mesure pour la planète. Voilà, donc très bon accueil et on est ravis d'avoir fait ce vélo tour. On vous donne rendez-vous samedi prochain, samedi 5 juin, avec Valérie, avec l'ensemble des personnes qui sont ici et d'autres qui vont venir encore se rejoindre aux différentes étapes. Si vous n'avez pas de vélo, vous pouvez aussi venir dans les différentes étapes. On vous enverra l'ensemble des points de rencontre. On arrivera à peu près à respecter les horaires cette fois-ci. Vous en faites pas. En tout cas, on passe par tous les points d'étape et on sera à la rencontre de l'ensemble de vos interrogations et de vos échanges. Ouais, venez discuter, venez échanger. On en a besoin de près de toute cette période. On a besoin aussi que les gens se rendent compte que là, il faut faire des choses et on a des choses à faire. Donc, il faut aller voter pour ça. Ah oui, n'oubliez pas.